Tu viens chez Arnie ? Oui, mais d'abord je dois aller en forêt. Le papillon monarque a commencé sa migration et c'est le genre de choses qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Je te rejoindrai plus tard. Oh, comment tu vois, sais, un milkshake allégé cerise myrtille framboise avec des éclats de chocolat, mais sans caramel. Ouais. Tu viens, mec ? Gia va chez Arnie maintenant ! Amène-toi ! Jake, c'est la fille la plus canon de l'école. Tu crois vraiment que t'as tes chances ? Grouillons-nous, s'il te plaît ! D'accord, d'accord, mais c'est toi qui m'invites alors. Salut les garçons ! Qu'est-ce que je vous sers ? Comme d'habitude. Prépare-en trois. Une pour chacun de nous et une pour la jolie fille là-bas au fond. Pas de soucis. Voilà pour vous. Merci. Ça fera 6 dollars. En voilà 20. 20 dollars ? Je vais chercher la monnaie. Noah? Hey, Gia! Oh, c'est toi? J'ai déjà eu des réactions pires que ça. Je ne veux pas que n'importe qui voit mon morpheur. Je voulais te demander si tu voulais rentrer avec moi. Quoi ? T'as peur de rentrer tout seul ? Non. J'avais envie de discuter un peu avec toi. Tu sais, à propos du week-end, tout ça. Merci, Gosei. Alors, t'as vu ? On forme une super équipe, tous les deux. Avec nous, les monstres n'ont qu'à bien se tenir. Oui, oh, je me la jouerais pas trop à ta place. Je t'ai quand même sauvé la mise 2 fois de suite. Et puis, on n'aurait jamais dû y aller sans prévenir les autres. On forme une équipe. Tous les 5. C'est vrai. C'était beaucoup plus facile quand on était au complet. Cela dit, même individuellement, on assure. Mais tous ensemble, on est juste imbattables. C'est génial, Noah. Je n'arrive pas à croire que le site web fonctionne déjà. Et pourtant, c'est vrai, Emma. C'est notre propre site de réseau social. Tout le lycée sera connecté dessus. Tu parles à qui, Noah ? Et dis à Gia que je vais avoir besoin de son profil. D'accord. Gia ? Il faut que j'y aille. Hey, Gia ! Salut ! Attends ! Merci, trop sympa. C'est pas ma faute. Au fait, depuis quand tu t'es mis à la guitare ? En fait, jamais. Ah. Tu as perdu la tête ou quoi ? Il faut que tu règles ça pour moi. Elle n'est plus équilibrée. J'ai besoin de ta connaissance technique. Si tu veux bien faire quelques petits réglages. Wow ! Je sais qu'avec cette hache, je pourrais impressionner Gia. Et aussi défendre la terre ? Oui, bien sûr, ça aussi. Elle finira par me remarquer. Comment ignorer un garçon qui s'entraîne tous les jours ? Alors, Gia a été très impressionnée par la façon dont tu t'es servi de ma hache. T'es vraiment devenu un vrai héros. Puisqu'on parle de ta hache... Tiens, je t'ai fait les réglages. Je l'ai complètement recalibré. Oh, on va voir ce que ça donne. Jake ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un alliage de titane. Elle est 2 fois plus légère qu'avant. Comme ça, tu seras plus agile, avec moins d'efforts. Ah, j'en sais rien, je sais pas si je vais réussir à m'y faire. Oh, si, tu vas t'y faire. Tu dois avoir confiance en toi. Super. Après toi, j'insiste.
Alors, elle est où, cette fleur très rare que tu veux me montrer? Viens avec moi. La voilà. C'est la Magnus Echlorus annulus. Elle ne fleurit qu'un jour par an. J'ai bien dit un jour. C'est super difficile d'en trouver. J'arrive vraiment pas à croire qu'on a cette chance. Waouh! Elle est magnifique. Je me demande pourquoi elle ne fleurit qu'un jour par an. C'est un des secrets de la nature. Ce sont des miracles comme celui-ci qui rendent notre planète si particulière. Est-ce que tu veux que je te prenne en photo devant la fleur pour prouver que tu l'as bien trouvée? Ça sert à ça, les copines. Après, on fera des photos de nous deux, mais qu'on ne montrera à personne. Sinon, ça casserait mon image de guerrière. Et voilà un deuxième saucisson de ficelé. Battez-vous contre elle et pas entre vous! Elle vous a jeté un mauvais sort pour que vous vous déchiriez! Ne vous laissez pas faire! Vous êtes copine depuis l'âge de 6 ans! Vous allez la fermer, oui? Ils ont raison! On a toujours été amis! Et rien n'est jamais venu détruire notre amitié! On a dû nous jeter un sort! Après tout, on a toujours pu compter l'une sur l'autre! On est comme deux sœurs! C'est impossible qu'on arrive à se disputer ou se détester, sauf si... On nous a obligés à nous détester. Emma, le pouvoir de l'amitié peut rompre le sortilège. C'est clair! À présent, tu as mérité la carte des frères aériens. Merci, Gosei. Voyons de quoi elle est capable. Frères aériens, activez! J'invoque le Zord Faucon, le Zord Ptérosaur et le Zord Corbeau. Génial! Ne t'inquiète pas, Gia, j'ai rompu le sortilège! Et maintenant, je vais te détacher! Souffle du corbeau! Gia! Emma? Ça va? Oui. Grâce à toi, tu as rompu le sortilège. Tu as été super. Tu es... Perfume, flowers bloom. Troy, qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je t'ai appelé, mais tu n'as pas entendu. Waouh, Emma, tu chantes super bien. Merci. Je tiens ça de ma mère. Tu sais, je me souviens qu'elle chantait cette chanson chaque année quand les arbres fleurissaient. C'est sûrement de là que vient mon amour de la nature. Chanter pour la nature, ça me fait penser à elle. Il est tard. On devrait y aller ou on va arriver en retard en cours. Stop! Je l'ai retrouvé. Te voilà, toi. Super! Merci beaucoup, Roy. Qu'on soit petit ou grand, on a tous droit au respect. Roy, tu as vraiment été exemplaire face à Cripox. Mais tu as aussi su trouver les mots pour que ces deux brutes ouvrent les yeux. Merci. Je me demande juste sur quoi on va tomber après Cripox. Troy, allez, relax. Savoure un peu la super victoire qu'on a remportée aujourd'hui. Il a raison. Ça fait du bien. On a eu tellement de travail avec ces extraterrestres à combattre, ça fait longtemps que je m'étais plus promenée dans la nature. Eh ouais, c'est plus comme avant. J'ai même plus le temps de faire mes expériences. Tu regrettes ta vie d'avant? Non, carrément pas. Je suis fier de ce qu'on est. Et aussi de ce qu'on fait. Pas toi? Si, bien sûr. Et puis je suis tellement contente de vous avoir en tant qu'amie.